zone. Soldat ennemi en approche. Drone de brouillage ennemi actif. L'ennemi a déployé un drone de brouillage. La résurgence est sur le point d'être désactivée. Profitez-en. Drone de brouillage ennemi au-dessus.
Let's go, baby, let's go. Woo! Here we go, baby, 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 baby. Hey, salut tout le monde, c'est Rookie. Écoutez, pour ce gameplay, je vous propose une classe M13B sans l'avoir extraite de la DMZ et sans l'avoir montée au max, donc sans pouvoir modifier en réalité chacun des accessoires. Cette variante frappe venimeuse, je ne l'ai pas achetée dans la boutique, je l'ai eue. En ce moment, il y a un événement, on peut avoir des jetons. Et d'ailleurs, si on fait retour, on peut y accéder. On peut avoir des jetons, alors je crois que c'est là, cet événement là. Et en fait il y a une variante donc, que j'ai déjà débloquée, bah, qui est là. Frappe venimeuse, voilà. Je savais même pas que c'était M13B, donc je l'avais prise. Elle coûte 150 jetons je crois. Et donc malgré ça, malgré le fait que j'ai pas monté au niveau max tout ça, ça reste une classe très 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 sympathique à jouer. On peut l'utiliser en support sniper ou en mode SMG, c'est plutôt en mode SMG. Courte et moyenne distance, elle fait plutôt mal. Donc j'ai mis 45 cartouches parce que 30 c'est beaucoup trop raide, 60 ça me paraît trop pour du solo, mais pour tout ce qui est trio quad c'est sûr il faut du 60. Ensuite j'avais pas d'accessoire canon, mais elle a un recul qui est franchement très faible, donc j'ai mis le silencieux Hardbinger D20 justement pour avoir un peu de contrôle du recul et surtout de la vitesse des balles et de la portée des dégâts. En termes de canon, le seul que j'avais, bah, il permettait pas de porter dégâts et contre recul, alors je l'ai enlevé, hein. Et j'ai mis plutôt un laser pour viser rapidement, donc c'est le VLK laser 7 mW. Et ensuite après, bah, j'ai avantagé la mobilité, hein, donc une cross brain flash V4 pour permettre grosso modo une vitesse de déplacement et de visée plus rapide, et également une poignée arrière, hein, la brain flash pour les mêmes raisons, puis augmenter la cadence de tir en sprint. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ciao ciao tout le monde.